Cette guitare, unique en son genre, est née de la collaboration entre deux Tarnais, François et Luthier, et Jane et Louis, artistes. Ensemble, ils allient peinture et précision technique. J'ai fait un design de guitare où elle a le plus d'espace possible pour s'exprimer. Donc vraiment le moins de plaques en plastique ou de choses comme ça possible pour vraiment qu'elle ait de l'espace pour dessiner dessus. Et après le reste, elle a un peu carte blanche. Dans l'atelier, tous deux travaillent avec minutie sur leur deuxième et troisième guitare. Je termine le dégrossissage de la forme de la guitare au couteau, au ciseau. Vient ensuite le ponçage. Chaque instrument conçu avec du bois français demande près de 140 heures de travail. Et ici, c'est bien l'apparence qui compte. On fait un objet qui est amplifié par des micros. Donc l'aspect acoustique a moins d'importance que l'aspect ergonomique. Vraiment faire une guitare qui soit confortable. Et aussi une guitare qui soit vraiment belle à regarder, une guitare qui donne envie. Une fois la première couche de vernis appliquée, c'est au tour de Jane et Louis de laisser libre cours à son imagination avec un peu plus de pression que sur une feuille de papier. François a déjà fait la guitare en amont, donc il compte sur moi pour assurer au niveau du rendu final, bien entendu. Lorsque le jeune luthier lui a proposé d'allier leurs talents il y a 2 ans, elle a tout de suite accepté. J'aime bien en fait mettre en place des partenariats qui font sens, avec des objets qui m'intéressent. J'aime bien mettre en avant le savoir-faire local et artisanal. Et puis c'est aussi intéressant de travailler sur un support qui va être utile et pas seulement beau. Une fois les guitares achevées, il est prévu de les exposer avant qu'elles ne poursuivent leur vie entre les mains de 5 musiciens.